J'ai tellement de choses. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être venu malgré ce temps. Certains diraient breton, mais je trouve ça un peu choquant quand même. Donc ce temps pas très sympathique, ces vacances en plus. Merci d'être venu pour assister à cette conférence du professeur André Klarsfeld que je vais vous présenter dans un instant. Auparavant, je voulais juste vous dire un petit mot sur un monsieur qui s'appelle Yves Fresneau, qui est malheureusement décédé mardi dernier. C'était l'ancien directeur de l'Institut Paul-Émile Victor, l'IPEV. Il avait débuté sa carrière à la station biologique de Paimpont avec notre ami et ancien président de l'Espace des sciences, Paul Tréhin. Il était déjà venu nous parler de son travail de recherche sur la biodiversité et les changements globaux en Antarctique en 2007. Et vous pouvez d'ailleurs revoir cette conférence sur le site de l'Espace des sciences si vous en avez envie. Et puis je me souviens encore, mais là ça n'avait pas été enregistré, d'une soirée que nous avions organisée avec la bibliothèque de la métropole, la bibliothèque des Champs Libres. Une soirée que j'avais eu un grand plaisir à présenter, où il y avait Yves Fresneau. Et avec Yves Fresneau, il y avait les frères Lepage. Alors certains amateurs de BD doivent savoir qui sont les frères Lepage. Enfin, surtout Emmanuel Lepage, qui est lui le spécialiste de la bande dessinée. Et puis François, son frère, qui lui est photographe, ils avaient été associés à une mission vers la base scientifique Concordia en Antarctique. Et évidemment, ils avaient ramené des photos et des dessins. Et ça a donné une bande dessinée qui s'intitule « La lune est blanche » qui est parue chez Casterman à cette époque. Et on avait fait une soirée extrêmement sympa ici avec Yves Fresneau et les deux frères. Et les deux frères qui... Yves Fresneau était un directeur très sympa, mais un peu exigeant. Et il avait dit, d'accord, vous venez avec votre talent de photographe et votre talent de bédéiste, mais il faut que vous participiez à la mission parce que ça coûte beaucoup de sous et il faut que chacun participe. Donc ils étaient chauffeurs. Je peux vous dire qu'ils en ont un peu bavé pendant le... Donc, si vous avez l'occasion de voir cette bande dessinée, elle est vraiment superbe et c'est un très, très beau souvenir que nous avons d'Yves Fresneau à qui nous dédions cette soirée. Juste une petite information encore, ça, je vous le donnerai aussi, professeur Klarsfeld. C'est le nouveau Science Ouest qui vient de sortir. Vous savez, le magazine de l'Espace des sciences en Bretagne, c'est le numéro du mois de février, avec un dossier sur le vert dans tous ses états. Il faut savoir que 2022, c'est l'année du vert. On aura l'occasion, nous, d'en parler aussi, d'avoir une conférence avant la fin de cette saison. Je ne sais plus si c'est au mois d'avril ou au mois de mai. Et puis, on en aura une deuxième avec des chercheurs rennais, cette fois, qui font un très, très beau travail sur le vert. Alors, il y a plein de choses intéressantes, comme d'habitude, dans ce Science Ouest. Il y a un témoignage très beau d'Erwan Fleischer, que nous avons reçu, nous aussi, en conférence, et qui parle de la mort et du fait que ça n'est pas anodin. En cardiologie, les médecins doivent régulièrement faire face au décès de leurs patients. Et une étude a été initiée à Rennes pour étudier les conséquences psychologiques que cela entraîne chez les professionnels. Voilà le genre d'informations que vous pouvez trouver. Vous avez aussi, évidemment, des informations sur toute la recherche qui se fait en Bretagne. Voilà, Science Ouest, vous pouvez vous le procurer dans certaines librairies, ici même au Champ Libre, et puis bien sûr sur le site internet de l'Espace des sciences. Mais ce soir, nous recevons André Klarsfeld. Je suis vraiment très contente de vous recevoir, professeur Klarsfeld, même si c'est un petit peu plus intimiste que la première fois. Vous êtes déjà venu en 2018. La salle était archi-pleine. C'était avant la pandémie, c'était avant tous les soucis que nous avons eus depuis. Bonsoir aussi à tous les internautes qui nous rejoignent pour suivre les conférences, puisque celles-ci sont diffusées en direct et visibles ensuite sur le site de l'Espace des sciences. Alors, André Klarsfeld, vous avez été professeur de l'ESPCI Paris
PSL, je traduis, École supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, Université Paris, sciences et lettres, c'est bien cela. Prenez votre micro, parce que si je dis des bêtises, il faut que vous m'arrêtiez tout de suite. Hein. Alors vous, vous êtes dirigé d'abord vers la physique, et puis vous avez bifurqué vers la biologie. La dernière fois que vous étiez venu, vous aviez dit, je crois que c'était parce que vous trouviez qu'il y avait plus de choses intéressantes dans le monde du vivant, finalement, qu'en physique, c'est ça ? Oui, il se trouve que j'avais un ami, un de mes meilleurs amis, qui, en même temps que moi, j'avais commencé des études de physique, lui avait commencé des études de biologie. Et quand on discutait, j'avais l'impression que ce qu'il faisait était mille fois plus passionnant que ce que je faisais. Et puis, en plus, la physique que j'avais choisie, c'était la physique des particules, qui est une physique très lourde, avec des budgets énormes. Et des échelles de temps énormes aussi. Donc il y a un petit côté frustrant parce qu'on a du mal à voir dans des très grandes équipes ce qu'on apporte. Au jour le jour, on n'a pas l'impression toujours d'avancer. Et en biologie, les choses vont un petit peu plus vite. Alors, vous avez fait donc vos études de physique d'abord à l'École normale supérieure, puis après, vous allez intégrer l'Institut Pasteur. Vous allez travailler avec Jean-Pierre Changeux, c'est cela ? Voilà, donc j'ai fait une thèse sous la direction de Jean-Pierre Changeux. Voilà. Puis ensuite, vous poursuivez votre chemin. Vous travaillez sur la mouche drosophile. Je crois que vous allez nous en parler un petit peu, là, sur la mouche drosophile et l'organisation en réseau, écoutez bien, de son horloge cérébrale et la mise à l'heure de cette horloge par la lumière et la température. Ça fait un peu peur comme ça. Ah ben, c'est pas que ça fait peur, mais ça laisse perplexe. Oui, non, je vais pas en parler. Je vais pas en parler énormément. Bien sûr, je parlerai de la drosophile, mais je vais essayer de faire une conférence un petit peu moins moléculaire, peut-être que celle que j'avais faite il y a 4 ans, et un peu plus historique. Alors, en 2011, vous allez devenir donc professeur de physiologie à l'ESPCI, comme je le disais tout à l'heure. Vous en êtes un tout jeune retraité. Voilà, le 1er novembre. Voilà. Vous avez aussi été élu pendant un temps, je ne sais pas si vous y êtes toujours, au conseil d'administration de la Société française de chronobiologie. Non, je n'en fais plus partie. N'en faites plus partie. On avait dit la dernière fois quand même que la chronobiologie, c'était quand même une science assez jeune. Oui. Même si dans l'histoire, vous allez montrer qu'on s'est intéressé quand même. Le terme de chronobiologie est relativement récent. Je pense qu'il ne doit pas dater de plus de 70 ans, peut-être, des années 50. Mm. Et le terme de circadien, horloge circadienne dont je vais parler, le mot circadien a lui-même été introduit en 1960. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Circadien, ça veut dire 24 heures. Environ un jour. Environ un jour. Oui. Voilà. Et puis, en 2009, sortait ce livre. Où est-ce que je l'ai mis ? Ah ben oui, je l'ai sur les genoux. Ce livre dont nous avions longuement parlé la dernière fois, Les horloges du vivant, comment elles rythment nos jours et nos nuits, paru chez Odile Jacob, et réédité depuis plusieurs fois. Il y a eu plusieurs impressions, mais oui. Celui qui a été, pour dire la vérité, celui qui a eu le plus de succès, c'est le précédent. Ah, on va en parler, on va en dire un mot. Et lui, il est sorti en collection de poche. Ouais. Mais celui-ci est quand même très intéressant et très en relation avec la conférence et avec, bien sûr, une exposition qui a été mise en place il y a peu. Maintenant, c'est notre nouvelle exposition temporaire qui se tiendra jusqu'au mois de août, voilà, au mois d'août prochain, et que je vous invite à aller voir. Elle est vraiment passionnante, très intéressante. Vous avez fait partie du conseil scientifique de cette exposition qui a été créée au départ à Saint-Étienne et puis qui est arrivée ici à Rennes et qui a bien sûr été remise en scène ici par l'équipe de l'Espace des sciences de Rennes et animée par l'équipe de l'Espace des sciences de Rennes aussi. Donc il y a eu ce livre que vous pourrez
pourrez faire signer, si ça vous intéresse, là-haut, sur le stand de la librairie Le Fayère. Et puis, il y a eu l'autre. Alors, celui-ci, qui est paru, lui, en livre de poche, qui est paru en 2006, je crois. Hein, qui est paru en 2000, et donc que j'ai coécrit avec un ami et collègue. Ah oui, en 2000, en version... et en poche, et en poche en, je ne sais plus, 2006, en 2015, je crois qu'il a sorti en poche en 2015, il me semble. Je ne sais plus. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. 2016. Et vous l'avez écrit avec Frédéric Reva. Et ça s'intitule « Biologie de la mort ». Et c'est intéressant peut-être d'en dire un mot, parce que je crois que, tout jeune retraité que vous êtes, mais chercheur un jour, chercheur toujours, vous allez continuer à travailler. Et je crois que vous travaillez justement sur ce thème encore, « Biologie de la mort ». Voilà, j'ai été contacté par un collègue américain qui était enthousiaste. Il m'a peut-être dit ça pour me convaincre de travailler avec lui, mais en tout cas le livre lui avait beaucoup plu et il avait envie de faire, il m'a proposé de faire une suite. Donc comme Alexandre Dumas a fait 20 ans après, on va essayer de faire la même chose avec un autre collègue, on sera trois cette fois-ci, pour parler des dernières avancées dans le domaine de la biologie du vieillissement. Alors c'est quoi en fait ? C'était quoi l'idée de ce livre ? L'idée de départ avec... Que je n'ai pas lu parce que je viens juste de l'emprunter à la libraire. L'idée de départ avec Frédéric Reva, c'était d'essayer de faire le point sur quelque chose qui paraît un petit peu paradoxal, c'est-à-dire la mort comme objet d'étude de sciences de la vie. Ouais. Et il se trouve qu'à l'époque où on s'est intéressé au sujet, donc dans les années 90, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'idées fausses qui traînaient, y compris dans la littérature scientifique, parce que les théories qui rendent compte de l'existence du vieillissement et de la mort dans le monde vivant étaient relativement mal connues. Donc on a voulu essayer de les diffuser plus largement. Alors, évidemment, quand vous êtes arrivé tout à l'heure, nous sommes passés voir l'exposition « Les horloges du vivant ». Et puis, vous m'avez dit, j'aimerais bien voir aussi l'exposition que vous avez mise en place qui s'appelle « Sur le cerveau ». Hein, c'est une exposition semi-permanente qui a été mise en place il n'y a pas très longtemps non plus, qui va être en place pendant un bout de temps, hein, à peu près 6 ans, je crois. Hein. Je regarde mon directeur quand je dis ça pour voir. S'il me fait ça, c'est que c'est bon. C'est que je ne dis pas de bêtises. Et alors, juste pour en dire un mot. Donc, vous avez bien aimé voir cette... elle est très ludique, elle est très... Ah oui, elle a l'air vraiment très, très bien faite. Et puis, avec des messages qui sont à la fois... qui m'ont eu l'air, je l'ai parcouru très rapidement, mais qui m'ont eu l'air à la fois très pertinents et très accessibles. J'ai trouvé ça très, très... Bravo. Et puis, ben oui, on transmettra à toute notre équipe. D'ailleurs, il y en a certains qui sont derrière leur écran ce soir pour suivre votre conférence. Et puis, vous êtes arrivé avec un livre paru chez Casterman aussi, qui s'intitule « Mister Cerveau » et qui est signé Jean-Yves Duhaut. Alors, vous avez envie de faire la promotion de ce livre pour lequel vous n'êtes pas du tout intervenu. C'est qu'il vous a plu, je crois. Alors, je suis un petit peu... Je suis remercié, hein, mais j'ai aucun intérêt financier. J'apparais dans les remerciements. Et Jean-Yves Duhaut est un dessinateur de bande dessinée que je trouve très talentueux pour, en particulier, vulgariser les sciences. Au départ, il a démarré sous la forme d'une série dans le magazine Spirou. Donc, c'était destiné aux jeunes. Hein. Et il s'est pris au jeu. Et il fait vraiment des reportages dans les laboratoires sous forme de bande dessinée. Donc, à la fois, c'est très vivant et très, très concret parce qu'il montre vraiment ce qu'il y a dans les laboratoires. Et c'est très documenté, c'est très fouillé. Là, il a collaboré avec Lionel Nakache, par exemple, sur le cerveau. Oui, il le remercie à la fin, qui est directeur de recherche, éminent neurologue, voilà, hein, qu'on connaît. Plein d'ouvrages chez Odile Jacob également. Et je trouve que c'est vraiment une grande réussite. Il fait le point. Et en plus, c'est drôle. Et c'est drôle, c'est assez amusant. Il fait le point sur les neurosciences aujourd'hui d'une façon assez magistrale.
Voilà, c'est la première fois que j'ai un Mister conférencier Cerveau. Que j'ai un conférencier qui fait de la pub pour un livre qui n'a pas écrit. Voilà, Mister Cerveau, mais c'est à retenir. Je vous le redonne parce que oui, il vous est dédicacé. Alors il vaut cher. Donc là, ce soir, vous avez choisi de nous parler du jour et de la nuit au fond de nos cellules. Tel est le titre de cette conférence, axée sur la découverte et sur le mécanisme des horloges internes, si important pour la bonne santé du monde du vivant. Et vous allez un peu plus insister sur ce côté historique, comment on en est arrivé à parler des horloges du vivant. C'est quand même une expression que l'on vous doit, les horloges du vivant. Moi, je ne prétendrai pas détenir des droits dessus, parce qu'il y a un ouvrage qui a porté le même titre, qui est paru dans les années 80, mais qui ne parlait pas du tout du même sujet, qui parlait justement du vieillissement. Ah. Vous avez choisi d'utiliser l'expression « horloge du vivant » pour parler du temps qui passe et du vieillissement. Mmh. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est un titre qui convenait bien pour parler des horloges biologiques qui vraiment marquent le temps dans nos cellules. Bon, eh ben, on vous écoute. Et puis, si on a des questions, ben, on vous les posera tout à l'heure. Mmh. Merci. Très, très bonne soirée à tous. Merci, et donc encore une fois, bonsoir à tous qui avaient bravé le climat exceptionnel ce soir. Donc c'est une conférence que j'ai déjà donnée il y a 4 ans, mais pour ceux qui éventuellement avaient été là ou l'ont vu sur le site de l'espace des sciences, j'ai changé pas mal de choses, et en particulier je vais parler beaucoup moins des aspects moléculaires, des mécanismes qui sont beaucoup détaillés dans l'exposition, que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà vue, parce qu'elle est vraiment très très bien, et je ne dis pas ça uniquement parce que j'étais conseiller scientifique. Et donc je vais parler davantage de l'histoire des idées et aussi un petit peu des conséquences, des retombées pratiques que ces concepts d'horloge biologique peuvent avoir dans notre vie quotidienne. Donc une des questions telles que le titre a été formulé, d'ailleurs le titre n'est pas de moi, je le trouve très bien, le jour et la nuit au fond de nos cellules, la Terre passe tous les jours, on fait un aller-retour hein, finalement, nous tous qui sommes sur la Terre, on fait tous les jours un aller-retour entre une planète chaude et lumineuse et une planète froide et sombre. Et ça pose évidemment beaucoup de questions sur comment on gère, comment les organismes vivants en général gèrent ce passage cosmique hein, d'un environnement entre deux environnements complètement différents. Donc une des questions principales que je vais essayer d'aborder, c'est celle de savoir comment les organismes vivants s'adaptent à cette alternance jour-nuit. Et il y a cette citation, j'aime bien commencer par cette citation de Claude Bernard, un des pères fondateurs de la physiologie au XIXe siècle. « La vie résulte d'un conflit, d'une relation étroite et harmonique entre les conditions extérieures et la constitution préétablie de l'organisme. Ce n'est pas par une lutte contre les conditions cosmiques que l'organisme se développe et se maintient, c'est au contraire par une adaptation, un accord avec celle-ci. » Et cosmique, c'est le cas de le dire, hein, puisque dans cette image de la Terre, de la planète qui tourne sur elle-même, on a vraiment affaire à des forces cosmiques. Et il y a ces rythmes cosmiques qui s'imposent à tout le vivant. Il y a celui de la rotation de la Terre sur elle-même qui crée l'alternance jour-nuit. Il y a aussi la rotation de la Terre autour du Soleil qui crée l'alternance des saisons, à cause de l'orientation, à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. Donc là, en ce moment, on se dirige vers l'équinoxe de printemps, donc il y aura une égalité de la durée du jour et de la nuit, et les jours sont en train de rallonger jusqu'au solstice d'été, et ensuite on va recommencer un nouveau cycle. Donc ces deux cycles cosmiques, ces deux rythmes cosmiques s'imposent clairement aux vivants, imposent des contraintes importantes aux vivants. Alors, je vais commencer tout de suite par un petit film que je trouve sympa pour vous montrer, puisqu'on parle du jour et de la nuit au fond des cellules. Vous avez ici une vidéo en accéléré, en très accéléré, sur 3 jours, qui représente 3 jours d'enregistrement de cellules en culture dans lesquelles on a trafiqué, si on veut, pour qu'elles émettent de la lumière
d'une façon rythmique, d'une façon cyclique, en fonction de l'heure du jour et de la nuit, bien qu'elle soit dans un incubateur complètement en dehors de tout rythme extérieur, de tout cycle de lumière-obscurité. Donc ce qu'on voit plus précisément, c'est les noyaux de ces cellules. Elles se divisent, elles ont un rythme de, elles se divisent à peu près toutes les 24 heures. Vous avez les heures qui apparaissent en haut. Vous voyez que la lumière a quasiment disparu au bout de 12 heures. Au bout de 24 heures, les cellules se sont divisées. Et la lumière est remontée à un niveau très élevé. Puis au bout de 36 heures, elle était redevenue très faible. 48 heures, de nouveau très élevée. 60 heures, de nouveau très faible. Et tout au long de cette expérience, les cellules ont ce cycle d'émission de lumière qui est contrôlé par l'horloge interne. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la manière dont c'est obtenu, mais ce que vous voyez là, c'est vraiment une illustration de la façon dont les rythmes sont générés, des rythmes jour-nuit, entre guillemets, sont générés dans les cellules. Jour-nuit, pas parce qu'il y a de la lumière, hein, mais jour-nuit parce que la cellule sait d'une certaine façon, au cœur de cette cellule, il y a quelque chose qui sait quelle heure il est et qui marque le temps en continu, une vraie horloge du vivant. Et cette horloge, elle se maintient, elle maintient son rythme, son fonctionnement, alors même que les cellules sont en train de se diviser. Donc l'heure est transmise, si vous voulez, de la cellule mère à ses cellules filles. Et ces mécanismes qui sont en jeu, là, ils ont valu un prix Nobel, il n'y a pas très longtemps, en 2017, à trois chercheurs américains, donc Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, en 2017, pour leur découverte des mécanismes moléculaires qui contrôlent le rythme circadien. Donc circadien, on va voir dans un instant ce que recouvre le terme, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure. Et ce que le jury Nobel a dit lors de la remise du prix, c'est que ces trois chercheurs ont découvert un mécanisme qui contrôle un processus vraiment fondamental en physiologie, comment nos cellules et notre corps marquent le temps. Cette mesure est essentielle pour notre adaptation et joue un rôle important dans la santé humaine, pas seulement dans les phénomènes de décalage horaire, mais aussi dans des syndromes chroniques comme le cancer, des désordres du métabolisme et du sommeil et des conditions neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. C'est un sujet de recherche très, 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 très actuel. Et donc, vos découvertes ont mis au jour les rouages de l'horloge biologique, un mécanisme essentiel à la survie sur notre planète. Je vais vraiment passer rapidement sur les mécanismes pour juste donner cette image de synthèse. Les mécanismes en jeu au niveau moléculaire dans ces cellules, donc au cœur de nos cellules, c'est une espèce de mécanisme de va-et-vient, un oscillateur, qui fait intervenir deux types d'éléments, des éléments positifs, qui activent la production d'éléments négatifs, qu'on appelle négatifs. Pourquoi ? Parce qu'ils rétroagissent négativement sur les éléments positifs. Donc, on a augmentation, grâce à ces éléments positifs, de quelque chose qui va ensuite inhiber progressivement l'activité des éléments positifs. Quand des éléments positifs ont été suffisamment inhibés, ils ne vont plus produire les éléments négatifs. Les éléments négatifs n'étant plus produits, l'inhibition va cesser, diminuer puis cesser, et on va pouvoir redémarrer une boucle. Donc, vraiment, je vous résume ça de façon très schématique et simpliste pour juste illustrer l'idée d'oscillateur, quelque chose qui va et vient, qui balance, hein, comme un pendule, entre un pôle positif, disons, et un pôle négatif. Donc, la question principale à laquelle je reviens, c'est comment les organismes vivants s'adaptent à l'alternance jour-nuit. Il y a deux façons très schématiques dont on peut visualiser ça. Imaginez que vous êtes une marmotte, vous avez un terrier très profond, et puis le matin, il faut sortir du terrier, aller vaquer à vos occupations, vous nourrir, trouver peut-être un partenaire pour vous reproduire. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous attendez que le soleil pénètre au fond de votre tanière, de votre maison souterraine ? Mais qu'est-ce qui se passe quand il pleut ? Qu'est-ce qui se passe quand le ciel est couvert ? Au fond de votre tanière, vous n'allez pas avoir beaucoup de lumière pour vous réveiller. Et en plus, la lumière, elle va vous réveiller de façon un peu brutale. Peut-être que c'est mieux d'anticiper le moment de sortir de votre tanière à l'aide d'une horloge. C'est ce qu'on fait, nous, les humains. On a un réveil matin qui nous réveille à une heure décente pour qu'on ait le temps de se préparer, prendre notre petit déjeuner, faire nos ablutions, etc.
Alors, parfois, c'est un sursaut. On se réveille en sursaut à cause du réveil matin, mais on a un mécanisme d'horlogerie qui va nous permettre d'anticiper le lever du soleil d'autant qu'on veut. Il suffit de régler le réveil sur l'heure qu'on veut. Donc, est-ce que la marmotte, elle va se réveiller en sursaut au lever du soleil ou est-ce qu'elle va utiliser une horloge? Et là, je vais vous montrer des résultats expérimentaux obtenus sur cette fameuse mouche drosophile. C'est ce qu'on appelle un profil d'activité. Donc, on a mesuré l'activité des mouches qui se baladent dans un tube. Je vais vous montrer dans un instant comment. Et on l'a tracé en fonction de l'heure du jour, demi-heure par demi-heure. Donc, chaque barre représente un niveau d'activité d'un certain groupe de mouches pendant un certain nombre de jours. Et vous voyez que les mouches, en fait, elles sont maintenues dans un jour artificiel. La lumière s'allume à 9h. Ça correspond aux barres blanches. Et elle s'éteint à 21h, ça correspond aux barres noires. Et ce que vous voyez, c'est que quand la nuit s'interrompt brutalement, la lumière s'allume, les mouches réagissent à l'allumage de la lumière. Elles ont un sursaut d'activité. Ensuite, l'activité redevient à peu près ce qu'elle était pendant la nuit. Et puis quand la lumière s'éteint, quand la nuit tombe, les mouches s'activent à nouveau brutalement beaucoup pendant une demi-heure ou une heure. Et ensuite, l'activité redevient ce qu'elle était avant. Donc, Ça, c'est la marmotte qui se réveille au moment où la lumière s'allume et qui va se coucher après un petit sursaut lorsque la lumière s'éteint. En fait, j'ai triché, je vous ai montré des mouches mutantes, des vraies mouches, des mouches normales, entre guillemets, que les généticiens appellent des mouches sauvages, donc dans la nature, toujours dans le même dispositif en laboratoire. Voilà comment leur profil d'activité se présente. Vous voyez que c'est très différent, et en particulier, ce qui est particulièrement frappant, c'est qu'en fin de nuit, avant que la lumière s'allume, et surtout en fin de jour, avant que la lumière s'éteigne, l'activité de ces animaux, de ces mouches, augmente progressivement. Elle anticipe le moment où il y aura l'allumage ou l'extinction de la lumière. Donc ce mécanisme d'anticipation, ça suggère que les mâles ne se contentent pas de réagir à l'allumage de la lumière ou à l'extinction pour décider s'il doit se lever ou aller se coucher. Alors que des mouches mutantes, des mouches qui sont dépourvues du mécanisme d'horloge dont on va parler dans la suite, elles ne sont pas capables de faire cette anticipation. Comment est-ce qu'on mesure l'activité des mouches? Donc on a des moniteurs d'activité dans lesquels on peut disposer 32 mouches. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un tube ici qui fait peut-être une dizaine de centimètres de long. Il y a un peu de nourriture au fond, d'un côté, et la mouche peut aller et venir dans le tube. Et quand elle traverse ici, le milieu de ce dispositif, il y a une cellule photoélectrique, un faisceau infrarouge, une cellule photoélectrique qui marque le passage, qui permet de repérer le passage de la mouche. Donc vous allez pouvoir compter le nombre de fois que la mouche est allée et venue dans son tube. On a 32 mouches qui sont suivies dans un moniteur. On peut avoir 10, 20, 30 moniteurs à la fois, donc suivre des centaines de mouches individuellement. Et tout ce qui reste à faire, si je puis dire, c'est d'avoir un système informatique ensuite, donc il y a l'électronique là derrière, un système informatique qui va relever les compteurs. Vous pouvez relever les compteurs toutes les 5 minutes, toutes les demi-heures, toutes les heures, comme vous voulez. En général, c'est une demi-heure. Et ça donne le profil que vous avez vu sur la figure précédente, sur la diapositive précédente. Alors, vous voyez, c'est quand même un dispositif relativement complexe. Vous imaginez que pour suivre les mouvements d'une mouche, ce n'est pas trivial. Et maintenant, si on va remonter un petit peu dans le temps de 2 siècles ou 3, les débuts de ces études ont porté sur les plantes. Pourquoi? Parce que les plantes, ça bouge beaucoup moins que les animaux, et c'est beaucoup plus facile de suivre les mouvements d'une plante que de suivre les mouvements d'un animal. Et la première expérience dans le domaine, on l'attribue à un Français, Cocorico, Jean-Jacques d'Ortus de Méran, qui a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Donc c'est un personnage assez considérable au XVIIIe siècle. Il a pris la suite de Fontenelle, au secrétariat perpétuel de l'Académie des sciences. Il a publié en 1729 ce qu'on considère être la première expérience de chronobiologie, même si le terme n'est apparu que bien plus tard. Il s'est demandé si les plantes qui ouvraient leurs feuilles, se redressaient leurs tiges pendant la journée et les repliaient pendant la nuit, est-ce qu'elles le faisaient en réponse à la lumière du soleil ou pas? Et pour le savoir, eh bien, il a mis ses plantes dans un cabinet obscur, à l'abri de la lumière du soleil, et il a observé qu'en effet, la plante dans ce cabinet obscur, elle continuait à manifester ce rythme d'ouverture et de fermeture, de repliement des feuilles et des tiges. Donc ce rythme foliaire, ce rythme de mouvement des feuilles, persiste quand la plante ne voit plus le jour extérieur.
Aujourd'hui, on parlera de nuit subjective et de jour subjectif. Donc, ça veut dire le jour et la nuit tel qu'il est ressenti par l'organisme, indépendamment du jour extérieur. Et Jean-Jacques Dortus de Méran parlait du vrai jour par opposition au vrai jour et à la vraie nuit. Et dans son article, vous voyez ici un fac-similé, est-ce qu'il concluait que la plante avait une horloge qui dirigeait ses rythmes? En fait, non. Lui, sa conclusion, son interprétation, c'est que la plante, la sensitive, qu'il appelait sensitive, elle sentait le soleil sans le voir en aucune manière. Autrement dit, au fond de son cabinet obscur, la plante était soumise à une influence du soleil, mais qui n'était pas la lumière du soleil, mais autre chose qui restait à découvrir. Et de façon assez intéressante, il a proposé dans cet article l'idée qu'on pourrait faire par art, par des fourneaux, plus ou moins chauds, un jour ou une nuit que la plante sentirait. Donc en gros, on la chaufferait pendant la nuit et on la laisserait se refroidir pendant la journée, dans son cabinet obscur à l'abri de la lumière, et peut-être qu'on pourrait la tromper et lui faire croire que la nuit c'est le jour et le jour c'est la nuit. Inverser par là l'ordre des phénomènes du vrai jour et de la vraie nuit. Et c'est ce qu'on fait maintenant dans les laboratoires. Pas, on le fait avec la température, dans des incubateurs dont on peut régler la température, mais on le fait plus volontiers, on le fait plus souvent avec la lumière, simplement en allumant, en éteignant la lumière à l'heure qu'on veut. Comme vous l'avez vu aussi sur une des diapositives précédentes, on allume à 9h, on éteint à 21h, mais on pourrait très bien décider d'allumer à 21h et d'éteindre à 9h du matin. Donc pendant un siècle ou deux, ces rythmes ont été plus ou moins considérés comme une curiosité. Donc Linné a proposé, et ça s'est montré aussi dans l'exposition, une horloge florale où les fleurs sont disposées sur un parterre dans l'ordre qui correspond aux heures auxquelles leurs pétales s'ouvrent ou se referment. Donc on pourrait suivre, je ne sais pas si elle a été vraiment réalisée, cette horloge florale, quelle fleur est-il? C'est ce qui figure sur le cartel dans l'exposition. Quelle fleur est-il? Donc c'est la fleur, l'ouverture de telle ou telle fleur qui indique l'heure qu'il est. Alors, pour revenir à de Méran, il pensait que c'était l'influence du soleil qui maintenait les rythmes, une influence autre que la lumière. Alors, on refait un bond dans le temps, on va faire plusieurs bonds dans le temps. Voilà ce qu'on peut obtenir dans une expérience plus contemporaine, la fin du XXe siècle. Un sujet volontaire a été placé dans des conditions, pas dans un petit cabinet obscur, mais dans un bunker, on va voir ça dans un instant, un endroit où il est coupé du monde extérieur, coupé de l'heure du jour et de la nuit. Et ce que représente cet actogramme, c'est-à-dire le tracé de l'activité, c'est le moment où il est actif. Là, il y a des petits traits noirs. Plus il y a de traits noirs, plus il est actif. Et puis, les moments où il est inactif, où il se repose, c'est là où il n'y a quasiment pas de petites hachures. Et ce que vous voyez, c'est que cet individu qui est placé dans des conditions constantes, des conditions hors du temps, ses heures de lever et de coucher ne sont pas du tout réparties au hasard. Alors, elles ne sont pas tous les jours à la même heure, elles se décalent, mais elles se décalent de façon extrêmement régulière. Pour ce sujet, peut-être d'une demi-heure ou trois quarts d'heure par jour. Ça veut dire que la durée de son cycle propre n'est pas de 24 heures exactement, mais de 24, quelque chose. On va dire que la durée de son cycle, la période de ce rythme d'activité est un peu supérieure à 24 heures. C'est en général le cas pour les humains, mais il y a quelques humains qui ont une période de rythme d'activité-repos un peu inférieure à 24 heures. Par contre, chez les souris, le cas le plus fréquent, c'est un rythme d'une période inférieure à 24 heures, des cycles d'une durée inférieure à 24 heures. Et voilà pour les souris qu'on peut garder dans une cage pendant plus longtemps qu'un volontaire humain. On ne leur demande pas trop leur avis, vous allez me dire, mais bon, elles sont très contentes, en tout cas elles ont l'air contentes, elles tournent on leur a mis une roue dans laquelle elles peuvent tourner, et elles font de l'exercice, et l'exercice qui est mesuré, là, par ces petits traits noirs, comme pour l'actogramme humain, il montre que cette souris, elle s'active tous les jours un peu plus tôt. L'humain, ici, il s'active tous les jours un peu plus tard, la souris, elle s'active tous les jours un peu plus tôt, mais de façon très régulière. Donc chaque espèce a son propre tempo, chaque espèce a son rythme, a sa période, dans ce rythme d'activité. Et ça, c'est déjà une indication très forte que ce n'est pas le soleil qui est responsable de ce rythme, parce que sinon, il n'y a pas de raison que certaines espèces ont un rythme plus lent et d'autres plus rapide que 24 heures.
Donc aujourd'hui, on interprète, tout le monde interprète ce genre de résultat comme reflétant l'existence d'une horloge interne avec une période proche mais différente de 24 heures. Alors, ce qui a attiré l'attention du grand public sur ces phénomènes, hein, c'est Michel Siffre, un spéléologue français qui a écrit un ouvrage tiré de ses expériences qu'il appelait « Hors du temps ». Donc en 1962, il s'est fait descendre au fond d'un gouffre où la température était de 11 degrés en permanence. Il n'y avait aucune, évidemment, aucune lumière extérieure qui n'y parvenait. Il était en contact avec l'extérieur par une ligne téléphonique et il leur disait « Voilà, maintenant je vais me coucher, maintenant je me suis levé, maintenant j'ai mangé, j'ai pris ma température, elle est de temps, etc. » Et en haut, donc, à la surface, on pouvait tracer, reporter ce qu'il indiquait par téléphone. Donc lui, il a perdu complètement la notion du temps. Parfois, il pensait avoir fait une sieste et en fait, il avait dormi une nuit. Donc quand il est ressorti au bout de 2 mois, donc c'était le 17 septembre qu'il est ressorti, il pensait qu'on était le 20 août. Donc il s'était décalé d'un mois dans sa tête parce qu'il avait perdu la notion des jours. Mais à la surface, quand on regardait les enregistrements de ses heures de coucher et de lever et de sa température, on s'est aperçu que ses rythmes étaient maintenus avec une période proche de 24 heures, dont il n'avait pas conscience, mais son corps, en fait, continuait à fonctionner sur un rythme d'environ 24 heures. Alors, ces expériences ont été donc reprises, comme je vous le disais, par la suite, dans des bunkers, donc des conditions quand même plus confortables que celle de Michel Siffre au fond de sa grotte. Et un des grands pionniers dans le domaine, c'est un chercheur allemand, un médecin, Jürgen Aschoff, qui a réquisitionné un bunker de la Seconde Guerre mondiale dans la banlieue de Munich. Donc ça, c'est son état il y a quelques années, après pas mal de périodes où il n'a plus été utilisé. Mais à l'époque où ces expériences ont été menées, donc vous voyez le titre, c'est dans le magazine Der Spiegel, en 2013, seul dans une tombe en béton. Vous voyez que c'était mieux entretenu à l'époque où les expériences avaient lieu, en 1973, ici. Un des collaborateurs de Jürgen Aschoff accompagne une étudiante ou un sujet d'expérience. C'était souvent des étudiants. Ils étaient très contents d'aller s'enfermer pendant plusieurs jours dans un bunker parce que ça leur permettait de réviser leurs examens. Donc, ils étaient très demandeurs de ce genre d'expérience. Par ailleurs, petite remarque, aujourd'hui, à l'époque MeToo, on voit un monsieur d'un certain âge qui descend s'enfermer dans un bunker suivi d'une jeune femme, ça soulève quelques questions. Mais à l'époque, l'époque était différente, et apparemment, il ne s'est pas passé autre chose que ce qui devait se passer dans l'expérience. Donc cette étudiante ou ce sujet a passé plusieurs jours dans ce bunker. Vous voyez qu'il a été quand même un petit peu mis aux normes d'hygiène et de confort, hein, même si c'était pas très grand. Et le point important, c'est que les gens n'avaient pas de montre, pas de télé, pas de radio. Et à l'extérieur du bunker, les chercheurs enregistraient en permanence un certain nombre de paramètres. Les sujets donnaient leur urine, par exemple, à analyser. Ils ne savaient pas à quelle heure c'était, hein, mais on leur demandait, soit ils le faisaient quand ils allaient aux toilettes. Et à l'extérieur, on pouvait savoir à quelle heure correspondait tel échantillon pour mesurer des hormones ou d'autres paramètres. Ils prenaient leur température et pareil, ils indiquaient sans savoir quelle heure il était. Et de tout cela, on sort ce genre d'enregistrement. Alors vous voyez, c'est à l'époque avant l'informatique, donc tout ça c'est fait à la main par un artiste graphiste, hein. Aujourd'hui c'est différent, ça a une autre allure. Pendant les 7 premiers jours ici, la personne était maintenue dans un cycle jour-nuit normal. Et vous voyez sa température rectale, qui suit des cycles très, très réguliers. Sa production de l'hormone cortisol, qui suit aussi des cycles très, très réguliers. Et puis à partir d'ici, il n'y a plus de notion du temps. Donc la personne est vraiment hors du temps. Pendant quelques jours, le rythme ici de température a l'air de s'atténuer un petit peu. Et puis au bout de quelques jours, il reprend avec une amplitude au moins égale à celle qu'il avait lorsque l'individu était placé dans des conditions normales, entre guillemets, de jour-nuit.
Et pour le rythme de cortisol, c'est pareil. Vous voyez, l'amplitude est vraiment considérable. On descend à des valeurs très proches de zéro. Ça correspond à, en gros, au début de la nuit. Et pendant la nuit, le rythme augmente. La production, par exemple, de cortisol augmente et on arrive à des valeurs beaucoup plus élevées le matin. Donc, ça, pour vous donner aussi un aperçu des méthodes avant l'ère digitale, on appuyait sur des boutons. Donc, tout ça était avec des compteurs purement mécaniques. Hein. Donc, c'est très daté. Et là, vous avez un sujet qui ressort après plusieurs jours passés dans le bunker. Et visiblement, il a l'air très content de retrouver le jour extérieur. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de rythmes physiologiques qui sont contrôlés par l'horloge grâce à ce type d'études. Ce dont je vous ai parlé, c'est la température corporelle. Donc, elle passe par un minimum en fin d'après-midi, en début de soirée, par un maximum, pardon, en fin d'après-midi, début de soirée, et par un minimum pendant la nuit. Donc, quand on prend sa température le matin, elle est systématiquement, vous avez sans doute tous fait cette expérience, quand vous prenez votre température le matin et que vous êtes en bonne santé, elle va être un peu inférieure de quelques dixièmes de degré le matin par rapport à ce qu'elle était le soir. Une autre hormone dont je n'ai pas encore parlé, mais on en reparlera un petit peu dans la suite, c'est la mélatonine. Alors, cette hormone a l'avantage d'être dosable dans la salive. Donc, c'est très facile de mesurer la production de mélatonine. On peut le faire sur des échantillons de salive. Il n'y a même pas besoin de faire de prise de sang. Et là, on a un rythme très, très fort avec quasiment pas de mélatonine pendant la journée et une mélatonine qui commence à être produite en fin de journée et avec des niveaux très élevés pendant la nuit. Alors, le point important à souligner, après plusieurs siècles donc, d'études, enfin, il y avait deux ou trois siècles d'études depuis les observations de Demeran, c'est que ces rythmes qu'il avait observés, lui, sur les feuilles des plantes, qu'on a observés ensuite dans l'activité des animaux, la souris, la drosophile, on les retrouve vraiment dans tout le vivant, y compris des organismes unicellulaires, des bactéries, ou ici, un champignon unicellulaire. Donc là, le rythme, c'est un rythme de production de spores. Le champignon s'allonge et toutes les 24 heures à peu près, 22 heures en l'occurrence, il arrête de s'allonger et il produit des spores, il produit une structure qui contient des spores et il recommence ensuite à s'allonger pour encore un nouveau cycle. Donc on trouve ces rythmes d'à peu près 24 heures à travers l'ensemble du monde vivant. Tous ces phénomènes ont une base moléculaire très semblable, aussi bien chez les bactéries que chez les humains. Et le fondement de ça, c'est le mécanisme de va-et-vient que j'ai mentionné rapidement au début. Les détails sont différents, mais le mécanisme, dans son principe, reste le même. Donc, qu'est-ce que c'est que l'horloge circadienne ? Pour rentrer un petit peu dans le détail des définitions, hein, c'est notre horloge biologique, c'est l'horloge biologique présente dans quasiment tous les organismes vivants. Elle dirige les rythmes circadiens. Donc, circadiens, pourquoi circadiens ? D'une part, première caractéristique fondamentale, c'est qu'ils persistent même hors du temps, donc en des conditions de lumière et de température constante. Et la deuxième, à quoi ils doivent plus précisément le qualificatif de circadien, ça vient du latin circa, environ, et diem, jour. Donc, ce sont des rythmes dont la période, la durée du cycle, est plus ou moins proche de 24 heures, et d'environ 24 heures. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu dans le temps, à nouveau. On va reprendre notre machine à remonter le temps. Comment est-ce qu'on est passé de l'observation de ces rythmes, donc chez les plantes d'abord, puis chez les animaux, comment est-ce qu'on est passé de l'observation de ces rythmes à la notion d'horloge ? Donc, première publication, 1729, mais son auteur n'en conclut pas qu'il y a une horloge derrière. À peu près un siècle plus tard, Augustin de Candolle montre que la période n'est pas exactement de 24 heures, et donc il y a un décalage progressif par rapport au soleil. Donc ça, déjà, c'était une indication assez forte que ce n'était pas le soleil lui-même qui était responsable de ces rythmes par un effet autre que la lumière, par une influence autre que la lumière. Au début du XXe siècle, il y a eu énormément d'expériences qui ont été faites, toujours pour l'essentiel sur les plantes. Et là, on a montré que d'une espèce à l'autre, la durée du cycle était différente, donc ce que je vous ai montré entre la souris et l'homme,
ça commençait à être systématisé, ce genre d'observation. Et en plus, si on éclaire très brièvement avec un flash de lumière un organisme, une plante qui est en train de faire ses petits mouvements circadiens d'environ 24 heures, selon le moment où on l'éclaire par rapport à son rythme, par rapport à ses mouvements, on va bouger le rythme, on va le déphaser, on va le décaler presque comme on veut, à la position qu'on veut. Donc sans qu'il ait plus aucune relation, ou en tout cas sans qu'il ait plus du tout la même relation avec le mouvement apparent du soleil dans le ciel. Donc dans les années 1920-1950, les gens ont commencé à se poser la question, mais c'est quoi le mécanisme de ces rythmes ? Et il y a eu un grand débat pendant 20 à 30 ans. Est-ce que ces rythmes sont produits de l'intérieur, comme on sait qu'ils le sont maintenant ? Donc est-ce que c'est un rythme endogène ou est-ce que c'est une influence de la rotation de la Terre ? Pas la lumière, autre chose. Donc en gros, il y avait deux clans, si vous voulez, pour en simplifier. Il y avait ceux qui pensaient que l'organisme génère ses rythmes de l'intérieur, de manière endogène, ou bien l'autre clan qui disait que c'était les cycles géophysiques extérieurs liés à la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc ils ont supposé qu'il devait exister un facteur X, autre chose que la lumière, autre chose que la température, un facteur X exogène lié à la rotation de la Terre. On a proposé l'ionisation de l'air, par exemple. Et vous voyez que là, c'est intéressant du point de vue de l'histoire des sciences. C'est que finalement, les deux clans étaient gênés par la même chose. C'est-à-dire, ceux qui disaient que c'était de l'intérieur, bah oui, mais c'est quoi le mécanisme ? Ils n'avaient aucune idée. Donc il fallait supposer un mécanisme dont on n'avait aucune idée. Et les autres, c'était un peu la même chose. Il fallait supposer un facteur X dont on n'avait aucune idée. Donc ce n'était pas facile de savoir qui avait raison sur cette base-là. Donc il y a eu plein d'expériences qui reposait presque toutes sur cette idée que si les rythmes reposent sur quelque chose d'endogène, c'est de la biochimie à l'intérieur des cellules, et la plupart des réactions chimiques d'ailleurs en général, mais en particulier dans le corps humain, dans les corps vivants, dans les cellules vivantes, lorsqu'on augmente la température, on accélère ces réactions. En gros, on les accélère d'un facteur 2 pour 10 degrés de plus, et on les ralentit d'un facteur 2 pour 10 degrés de moins. Or, quand on fait ces expériences, qu'on mesure ces rythmes à différentes températures, effectivement, il y a un petit effet de la température. Donc, super, les gens disent, c'est des rythmes endogènes. Mais pas d'un facteur 2 pour 10 degrés de température. De un facteur 1,1, 10%, 20%. Et donc ça allait à l'encontre de ce qu'on connaissait, de la généralité de ce qu'on connaissait sur les mécanismes endogènes qui auraient pu expliquer ces phénomènes de rythme. Donc les mêmes observations étaient interprétées à l'opposé selon qu'on était partisan, selon qu'on appartenait à un clan ou à l'autre. Les uns disaient « il y a un effet de la température, donc c'est endogène », les autres disaient « oui, mais c'est un effet faible, donc c'est pas endogène ». Alors pour les réconcilier, un des chercheurs qui a eu énormément d'influence dans le domaine de la chronobiologie, c'est Colin Pitendry, qui est de la même génération que Jürgen Aschoff, l'Allemand dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui est britannique et s'est installé aux États-Unis, a travaillé une grande partie de sa carrière aux États-Unis. Et en fait, il est parti d'un raisonnement évolutionniste. Il a dit, bon, l'évolution du vivant, si elle a produit... Admettons qu'elle ait pu produire un mécanisme, on ne sait pas ce que c'est, mais un mécanisme d'horloge, ça n'aurait pas de sens de créer un mécanisme d'horloge, du point de vue évolutif, ça n'aurait pas de sens si sa période n'était pas assez indépendante de la température. Parce qu'une horloge qui se met à tourner deux fois plus vite lorsque vous passez de 15 à 25 degrés, lorsque la température extérieure passe de 15 à 25 degrés, ce n'est pas très utile comme horloge. Par contre, une horloge qui accélère un petit peu quand vous passez de 15 à 25 degrés, bon, bah, à la limite, ça peut aller. Et donc il a repris des expériences qui avaient été faites toujours sur la drosophile, mais un autre rythme, c'est l'éclosion des mouches. Vous savez que les mouches subissent une métamorphose, comme beaucoup d'espèces d'insectes, comme les papillons. Et donc les mouches adultes éclosent à des moments précis du cycle jour-nuit. En fait, elles éclosent plutôt le matin. Ici, vous avez un cycle lumière-obscurité.
voyez que le plus grand nombre de mouches éclos au tout début de la journée. Et, ce rythme persiste en conditions constantes. Donc il a tout d'un rythme circadien, avec une période qui est proche de 24 heures. Ici, les traits représentent l'heure à laquelle la lumière s'allumait quand elle s'allumait. Donc on a un rythme circadien robuste. Les mouches éclosent préférentiellement au début du jour subjectif, quand elles sont dans l'obscurité. Ça, c'est à 26 degrés. Si maintenant, au moment où la lumière ne se rallume plus, ici, le dernier jour où la lumière ne se rallume plus, donc ici, plus précisément ici, donc la lumière aurait dû se rallumer, elle ne se rallume plus, vous passez de 26 à 16 degrés. Donc vous descendez la température de 10 degrés. Ce que vous voyez, c'est que le premier pic d'éclosion, le premier jour qui suit, le premier jour subjectif en quelque sorte, le premier pic d'éclosion, il est pratiquement à la position attendue, hein, à peu près 24 heures après le précédent. Alors que le deuxième, il est beaucoup plus loin. Donc on a l'impression que le cycle s'est considérablement allongé en passant de 26 à 16 degrés. Alors ça, c'est super si vous êtes un farouche partisan des rythmes endogènes, vous êtes très content parce que vous avez un effet massif de la température sur le rythme. Sauf que l'expérience n'est pas faite vraiment comme il faut. Parce que ce qu'il faudrait faire, c'est que la température reste constante tout du long. Là, vous avez introduit un changement. Au milieu de l'expérience, vous avez introduit un changement de température brutal. Si vous ne le faites pas, enfin, voyons ce qui se passe maintenant si vous restez plus longtemps à 16 degrés. Qu'est-ce qui se passe plus loin après? Vous voyez que les pics d'éclosion se recalent sur une durée de cycle qui est à nouveau d'à peu près 24 heures. En gros, ce qui se passe, c'est que le premier cycle après le changement de température est effectivement très anormal. Le deuxième est d'ailleurs anormalement court. Et ensuite, une fois que la température est stable à 16 degrés, le rythme d'éclosion redevient de 24 heures à peu près. Et donc, pour bien faire l'expérience, donc ce qui a changé, c'est l'heure, c'est le moment où le pic d'éclosion a lieu. Pour bien faire l'expérience, il faut faire toute l'expérience à la même température. Donc, vous prenez une population à 26 degrés, une autre à 21 et une autre à 16, et vous les laissez évoluer sans toucher à la température. À ce moment-là, ce que vous voyez, c'est que dans chacune de ces populations, le pic d'éclosion se retrouve très proche de ce qu'il devrait être, de ce qu'il était en conditions jour-nuit. C'est vrai qu'il y a un petit décalage. Hein. Si vous attendez, par exemple ici, le quatrième pic après qu'on n'ait plus allumé la lumière, le quatrième pic est un peu décalé d'une heure ou deux par rapport à ce qui se passe dans la population qui est maintenue à 26 degrés. Mais c'est pas du tout un facteur, c'est pas du coup 50% ou plus comme ce qu'on avait vu là. Donc il y a un petit effet de la température, c'est vrai, mais en fait il est incroyablement faible pour un phénomène de biochimique. Et c'est ce que prédisait Pitendry, en disant, ben oui, en fait, la température ne doit pas avoir un effet trop important sur ces rythmes, même si pour presque tous les processus biochimiques connus, il y a un effet important, un facteur 2 pour 10 degrés. Là, c'est normal. Pour qu'une horloge ait un sens biologique, il faut que la température n'ait pas trop d'effet. Donc, on a vu, première condition caractéristique essentielle des rythmes circadiens, c'est la durée du rythme, et puis le fait qu'il persiste hors du temps. Deuxième propriété particulière au rythme circadien, c'est qu'ils sont compensés pour la température. On dit que ces mécanismes sont compensés pour la température. Donc revenons à notre marche en avant, avec des zigzags. On a commencé, il y a une autre voie de recherche qui portait sur les animaux et sur ce que les chercheurs ont appelé la mémoire du temps, chez les abeilles en particulier. Donc qu'est-ce que c'est que cette mémoire du temps? Elle a une des premières observations, on a droit à Auguste Forel, un psychiatre, neuroanatomiste, entomologiste suisse, dont la valeur scientifique
était jugé considérable par ses compatriotes, puisqu'ils l'ont mis sur le billet de 1 000 euros, de 1 000 francs suisses, qui était le plus gros billet, qui est le plus gros billet en Suisse, hein, avec une image de cerveau d'un côté et une image de fourmi de l'autre côté. On aimerait avoir des billets comme ça en France, où la science est mise à l'honneur. Ça donnerait peut-être une autre image, justement, de la science. Malheureusement, ces billets, c'est plus la peine de les chercher. Ils sont plus en circulation depuis 2020. Mais ils ont été donc en circulation jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc Forel, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait c'est l'image d'Épinal, hein, le Suisse qui a son chalet à la montagne. Donc il était à la montagne. C'est pas son chalet là, c'est juste un chalet que j'ai trouvé sur Wikipédia. Et il prenait son petit déjeuner sur la terrasse. Et puis, et comme vous avez sûrement dû le remarquer, quand il y a la confiture sur la table, il y a des abeilles qui rappliquent, ou des guêpes. Voilà, c'était des abeilles, c'est plus sympathique. Et puis un jour, il faisait pas beau, il a pris son petit déjeuner à l'intérieur. Et là, son observation, c'était que, à l'extérieur, alors que la confiture, l'odeur de la confiture n'était plus accessible aux abeilles, puisqu'il était à l'intérieur, lui, les abeilles revenaient à l'heure où elles avaient l'habitude de trouver de la confiture. Et donc, c'est ces mécanismes-là que les gens appelaient mémoire du temps. Au départ, là encore, ils n'ont pas pensé à une horloge. Ils ont dit l'abeille se souvient qu'à certaines heures, il se passe un truc sympa. C'est une question de mémoire. Et simplement, c'est toutes les 24 heures. Donc, elle se souvient que toutes les 24 heures, il se passe un truc sympa. Sauf que si on fait toutes les 17 heures, donc on a fait des expériences après, si on donne la nourriture, si on présente la confiture aux abeilles toutes les 17 heures, elles sont incapables de mémoriser ça. Donc ce qu'elles mémorisent, c'est vraiment une heure qu'elles ont repérée sur leur horloge interne. C'est comme ça qu'on l'interprète aujourd'hui. Mais ce n'était pas l'interprétation d'Auguste Forel. Alors une autre voie de recherche chez les animaux qui a contribuer à ces avancées, à arriver à la notion d'horloge, c'est la navigation des oiseaux. Donc il y a un savant d'origine allemande, Gustav Kramer, un de ceux qui a été les pionniers, a montré que les oiseaux migrateurs se dirigeaient en interprétant la position du soleil dans le ciel. Et pour utiliser la position du soleil dans le ciel pour se diriger, il faut savoir quelle heure il est. Parce que le soleil, le matin, à 9h du matin, il n'indique pas la même direction que le soleil à 5h du soir. Donc, il faut avoir un mécanisme, pas juste un rythme, un truc binaire, mais un mécanisme qui permet en permanence de savoir l'heure qu'il est, en réalité. Donc ça, c'était un argument très fort pour l'existence d'une horloge interne. Et cette idée d'horloge, donc on appelait l'horloge circadienne, elle s'est vraiment imposée à partir des années 1960. Vous voyez, c'est une science relativement jeune. Je vais essayer de l'illustrer rapidement par la migration d'un papillon. Vous avez sans doute entendu parler, parce qu'il est, c'est vraiment très spectaculaire, le papillon monarque, qui migre tous les ans, à l'automne, depuis le nord-est des États-Unis ou l'est du Canada. Il fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir hiberner au Mexique, où les températures sont plus clémentes. Et on a pu montrer que c'est par un mécanisme semblable à celui des oiseaux migrateurs que ces papillons se dirigent. Comment est-ce qu'on l'a fait? On a fait de la migration virtuelle dans un simulateur de vol. Donc le papillon voit le soleil, voit la position du soleil dans le ciel. Il est fixé à un fil qui fait que il fait du surplace, il vole, mais il fait du surplace. Par contre, le fil peut tourner sur son axe, et donc on peut enregistrer à tout moment dans quelle direction il essaye de voler. Et donc on peut reconstituer le trajet qu'il est en train d'essayer de faire, ou qu'il croit faire. Et si on fait ça sur un papillon au mois d'août, par exemple, hein, avant la saison migratoire qui commence en septembre, le trajet reconstitué... Donc comment est-ce qu'on le reconstitue? C'est simplement on regarde à chaque moment dans quelle direction il allait, et puis on fait la somme de toutes ces directions, et on arrive à un trajet virtuel que vous voyez
ici. Et voilà, c'est un papillon qui se balade gentiment dans la prairie. Si vous faites ça sur un papillon pendant la saison migratoire, son comportement a complètement changé. Et c'est particulièrement clair pour celui qui est en bas, mais même celui qui est au milieu, vous voyez tout de suite que sa trajectoire reconstituée n'a rien à voir avec celle-ci. Et celui-là, c'est presque une trajectoire rectiligne dans une direction. Donc il a maintenu un cap pendant toute la journée parce qu'il s'est repéré sur la position du soleil dans le ciel. Et pour enfoncer le clou, ben, qu'est-ce qui se passe si on trompe le papillon avant de le mettre dans le simulateur de vol? On lui impose un rythme jour-nuit, un horaire jour-nuit, décalé par rapport au vrai jour et à la vraie nuit, comme disait de Meyran. Donc, comment on fait ça? On le met dans un incubateur où la lumière s'allume 6 heures après le lever du soleil et s'éteint 6 heures après le coucher, ou 6 heures avant. Donc, on le décale de 6 heures dans un sens ou dans l'autre. Alors, voilà ce qui se passe chez les papillons contrôle, c'est-à-dire ceux qui sont... ceux dont on n'a pas essayé de tromper l'horloge interne. En moyenne, chaque papillon se dirige dans des directions un petit peu différentes, mais si on fait la moyenne, ça donne cette flèche-là, et la moyenne, ça pointe vers le Mexique, quand on est au Canada, c'est-à-dire vers le sud-ouest. Si maintenant on fait la même expérience avec des papillons dont on a décalé le jour, la nuit, de 6 heures en avance ou de 6 heures en retard, 6 heures sur 24, hein, c'est un quart de tour, ça correspond à un quart de tour. Et vous voyez que ces papillons se dirigent soit un quart de tour trop à droite, si vous voulez, ou trop vers l'est, soit un quart de tour trop vers le nord. Ces papillons-là, par exemple, 6 heures d'avance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils pensent qu'il est 6 heures du soir alors qu'il est midi. Donc ils interprètent la position du soleil dans le ciel à midi, qui est le sud. Ils l'interprètent comme étant l'ouest, parce que pour eux, il est 6 heures du soir. Donc, ils se trompent d'un quart de tour dans leur direction, dans leur cap. Donc, ça c'est vraiment une démonstration que je trouve très frappante du fait que ces animaux ont une horloge qui leur permet de mesurer le temps en continu. Donc, c'est une vraie horloge, comme au sens où on entend nous, hein. Et qu'on peut tromper cette horloge en la calant sur un cycle jour-nuit différent du cycle jour-nuit réel. Et ce qui est assez fascinant chez les oiseaux, en tout cas, je ne sais pas si ça a été fait sur des insectes, mais sur des oiseaux qui migrent pendant la nuit, qui volent pendant la nuit, on a pu montrer qu'ils se dirigeaient sur la position des étoiles. Autrement dit, ils reconnaissent des structures, ils reconnaissent des profils célestes, des constellations, enfin je ne sais pas si pour un oiseau le terme de constellation a sens, mais ils reconnaissent des positions dans le ciel et ils savent se diriger dessus et compenser le fait que les étoiles, bien sûr, elles tournent aussi, comme le montre le planétarium ici, hein. Les étoiles, elles tournent aussi, elles ont l'air de tourner autour de la Terre, parce que la Terre tourne sur elle-même. Donc exactement comme pour le Soleil, pour se diriger sur les étoiles, il faut savoir l'heure qu'il est. Et certains donc, oiseaux migrateurs nocturnes le font. Donc, la phase est ajustable par des signaux de l'environnement. Là, on l'a vu pour la lumière. La température aussi, c'est ce que proposait de Meyran. Une illustration chez la souris, très simple. Cette souris-là, c'est un animal nocturne, la souris. Donc, elle s'active pendant la nuit, dans un cycle jour-nuit. Et ensuite, quand on arrête d'allumer la lumière, son rythme n'est pas exactement de 24 heures. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle se décale vers la gauche. Tous les jours, elle se réveille. Elle s'active un peu plus tôt. Sa nuit subjective commence tous les jours un peu plus tôt, parce que son cycle interne n'est pas exactement de 24 heures, mais un peu moins que 24 heures. Et puis dès qu'on rallume la lumière, donc à la fin de l'expérience ici, vous voyez que le rythme se recale, parce que l'horloge a été recalée par le cycle jour-nuit que vous lui imposez. Juste pour illustrer le fait que d'une souris à une autre, la plupart des souris ont un rythme un peu plus rapide que 24 heures, mais là, vous avez un exemple d'une souris qui a un rythme un peu plus lent que 24 heures. Donc, dans tous les cas, il faut remettre à l'heure ces horloges parce qu'elles ne sont que circadiennes. Elles ne sont pas de 24 heures exactement, elles sont d'environ 24 heures. Donc, principaux facteurs de synchronisation, c'est l'alternance lumière-obscurité et puis les variations de température entre le jour et la nuit.
Pour la lumière, un petit truc rapidement, un petit truc pratique. C'est basé sur un très grand nombre d'études sur des animaux, des tas d'espèces animales et aussi sur des humains. Mais voilà comment ça se traduit en pratique si vous voyagez, puisque bientôt on va pouvoir revoyager. On peut déjà un peu. Imaginez que vous ayez aux États-Unis, vous arrivez à 17h à New York, à Paris il est 23h. Vous, votre horloge interne, elle est toujours calée sur l'heure de Paris. Donc pour vous, à l'intérieur de vos cellules, au fond de vos cellules, il est 23h. Donc comment est-ce que vous allez vous recaler sur 17h? Votre horloge avance, elle indique 23h, alors qu'il n'est que 17h local. En fait, ce qu'il faut, c'est s'exposer à la lumière en fin d'après-midi. Très schématiquement, hein, vos cellules pensent qu'il fait déjà nuit. Vos cellules, il est 23h, alors en fait, il est 17h. S'exposer à la lumière va dire à votre organisme qu'il ne fait pas encore nuit, en réalité. Donc, elle va retarder votre horloge et la ramener en arrière vers l'heure locale. À l'inverse, si vous voyagez, quand vous reviendrez, j'espère que vous pourrez faire ces voyages un jour, ça va être l'inverse. Votre horloge va être à 1h du matin, heure de New York, et vous arrivez, vous débarquez à l'aéroport à 7h du matin, heure locale. Donc votre horloge, cette fois-ci, doit être avancée de 1h à 7h. Elle doit être avancée de 6h. Donc là, ça va être la lumière du matin qui va dire à votre horloge « Ah non, il fait plus nuit, il fait déjà jour. » Donc il faut avancer l'horloge. Et là, il faut réfléchir un petit peu. Je vous laisserai réfléchir dans votre coin. Mais si votre horloge dit qu'il est 1h, la lumière, elle peut la comprendre aussi bien comme voulant dire « Ah non, il fait encore jour. » Ce qu'elle faisait, ce que vous vouliez faire quand vous étiez à New York, ou « Ah non, il fait déjà jour. Il fait plus nuit, il fait déjà jour. » Donc, il ne faut pas s'exposer à la lumière trop tôt par rapport à votre heure interne, sinon votre organisme va interpréter la lumière comme venant en fin de journée et pas en début de journée. Ça demande un petit peu de gymnastique, mais voilà. Souvenez-vous que c'est un peu plus compliqué quand on revient. Maintenant, autre application, le passage à l'heure d'hiver. Donc, je vais passer assez rapidement parce que c'est derrière nous. Enfin, c'est aussi devant nous, hein, mais plus loin. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, arbitrairement, on a décidé qu'à 3h du matin, il était de nouveau 2h. Donc on a reculé les montres d'une heure, et donc on a vécu deux fois l'heure de 2h à 3h du matin. C'est comme dans le monde sans fin, mais là c'est juste une heure. Donc ça c'est pas mal, parce que on retarde d'une heure l'horloge. D'abord, ça va être facile de se recaler, il suffit de s'exposer à la lumière le soir, puisqu'il faut retarder l'horloge, c'est la lumière du soir qui va le faire. Puis surtout, ça nous fait une heure de sommeil en plus, on a dormi deux fois de 2h à 3h du matin. Et puis ça fait un cycle qui fait à peu près 25 heures, puisque vous avez rallongé le cycle artificiellement en rajoutant une heure de plus, l'heure de 2h à 3h du matin. Or, la plupart des gens ont un rythme qui ont une période d'environ 20... Enfin, supérieur à 24 heures, en tout cas. Donc, ils ne sont pas forcément mal à l'aise avec un cycle qui dure un peu plus que 24 heures. Par contre, pour les gens qui ont un rythme un peu inférieur à 24 heures, ça peut être un peu plus difficile. Mais en général, les gens supportent plutôt bien ce passage à l'heure d'hiver. Le passage à l'heure d'été qui nous guette, dans la nuit du 26 au 27 mars, bah, c'est le contraire. À 2 heures du matin, on avance d'une heure, donc on ne vit pas l'heure... L'heure de 2h à 3h du matin n'existe pas, parce qu'on passe directement de 2h à 3h. Donc ça fait une nuit qui raccourcit d'une heure. On perd une heure de sommeil, donc c'est déjà une bonne raison de ne pas aimer. Et en plus, ça va dans le mauvais sens, parce que ça fait un cycle court, alors qu'on a tendance à avoir des cycles plus longs que 24 heures. Donc c'est souvent moins bien ressenti, et pour limiter les conséquences physiologiques, on peut s'exposer à la lumière le matin. C'est l'idée d'avancer l'horloge, c'est la lumière du matin. Alors tout le monde n'est pas perturbé autant par le passage à l'heure d'été, et en particulier les médecins de garde, les jeunes internes. Donc quand nous étions de jeunes internes, notre espoir chaque année était qu'on nous attribuerait le
le shift, la garde, qu'on nous attribuait la garde de nuit au moment du passage à l'heure d'été, parce que ça réduit d'une heure la durée de cette garde, en fait. Hein. Donc il y aura moins de, potentiellement moins de, d'appels. Malheureusement, c'était réservé aux collègues seniors. Alors, où se trouve l'horloge ? Donc, je vais aller un petit peu vite sur, pour terminer. Mais encore une fois, tous les détails, vous les trouverez dans l'expo, donc je vous invite à voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Où est-ce qu'elle se trouve, cette horloge ? Je vous ai parlé de ses mécanismes, mais anatomiquement, où est-ce qu'elle se trouve ? Alors, chez les mammifères, donc nous en particulier, on a une horloge qu'on appelle centrale dans le cerveau et des horloges périphériques un peu partout dans le corps. Les cellules que je vous ai montrées au tout début, avec la lumière qui croît et décroît toutes les 24 heures, c'est des cellules de peau. Donc c'est vraiment des cellules, tout ce qu'il y a de plus banal. Elles ont été un peu trafiquées, comme je vous l'ai dit, pour émettre de la lumière. Mais on a on a des horloges un peu partout dans le corps. Mais il y a une horloge centrale dans le cerveau qui est au niveau d'une structure qui a été localisée très précisément au niveau de cette structure qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques. Il y en a deux, comme beaucoup de structures dans le cerveau, elles sont symétriques, hein, il y en a un à gauche et un à droite. Elles sont au niveau des yeux à peu près, un peu en arrière des yeux. Suprachiasmatique, ça veut dire au-dessus du chiasma, l'endroit où se croisent les nerfs optiques gauche et droit. Donc le chiasma optique, il est là, se croisent les fibres qui viennent de chaque œil, et les noyaux suprachiasmatiques sont juste un peu au-dessus. Et il y a des fibres qui viennent de l'œil et qui vont directement là, qui ne servent pas à voir, qui ne vont pas dans la partie du cerveau qui sert à voir, mais qui va dans cette partie-là du cerveau où elles sont pratiquement essentiellement... leur fonction est essentiellement de mettre à l'heure cette horloge. Donc, pour se synchroniser sur le jour extérieur, comme je vous ai dit, le matin à New York, etc., c'est pas la peine de s'exposer à la lumière si vous fermez les yeux. Hein. Donc, c'est pas la peine de vous exposer à la lumière en mettant une lampe au-dessus de votre lit pendant la nuit, ça ne va servir à rien. Il faut que vous ayez les yeux ouverts parce que c'est par les yeux que va passer l'effet de synchronisation. Syndrome de retard de phase du sommeil. Alors ça, c'est pendant longtemps, on a pensé que c'était une insomnie parce que c'est des gens qui ont du mal à s'endormir le soir. Mais on s'est aperçu que, d'abord, ça touche pas mal de monde, en particulier chez les adolescents, jusqu'à 7 adolescents sur 100. Et ce n'est pas un problème de sommeil, en réalité, c'est un problème de rythme, c'est un problème d'horloge. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont simplement un rythme complètement décalé. Ils n'arrivent pas à s'endormir avant 1h à 3h du matin, mais si... ils peuvent se lever à, disons, 9-10 heures le matin, ben, ils ont une nuit normale, une nuit de sommeil normale. Donc, ce n'est pas une insomnie. On s'en est aperçu donc assez tardivement. Et les traitements, c'est la luminothérapie. On a vu ça tout à l'heure. Hein. Il s'agit d'avancer l'horloge, puisque leur horloge est en retard, en quelque sorte. Hein. Ils vont s'endormir trop tard. Ils ont tendance à les faire s'endormir trop tard. Donc, il faut s'exposer à la lumière le matin, pour avancer l'horloge, et il faut éviter de s'exposer à la lumière le soir pour éviter de la retarder. Donc je passe un peu rapidement. Il y a la mélatonine, l'hormone dont je vous ai parlé au début, qui peut aussi servir pour recaler les rythmes en la donnant à ces personnes-là, à un moment où ils ne la produisent sans doute pas assez, en début de nuit, en fin de soirée. Ça peut aider à recaler leur horloge. Alors, ça c'est un cas extrême quand même, hein, le syndrome de retard de phase du sommeil. Mais on est tous inégaux devant les rythmes. Et ça, c'est une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années sur des sujets sur lesquels on a prélevé des cellules de peau. On les a manipulées pour qu'elles produisent de la lumière comme celle que je vous ai montrée au début. Et on peut donc mesurer l'émission de lumière en fonction du temps dans ces cellules mises en culture, ces cellules de peau prises sur le sujet 1, 2, 3, 4. Et on voit que chacun de ces sujets a un rythme moléculaire, un rythme cellulaire qu'on voit dans ces cultures de cellules, qui est un peu différent. Le sujet 1, sa période de rythme, c'est 23,1 heures, et là, le sujet 4, le plus extrême, c'est 25,6. Et si ensuite, ces sujets-là, on leur demande s'ils sont du matin ou du soir, donc on leur fait remplir un questionnaire, on s'aperçoit que les individus qui sont le plus du soir, ça correspond à ces scores ici, à ces scores faibles ici sur l'échelle horizontale, donc ça, c'est quelqu'un qui est du soir, et ça, c'est quelqu'un qui est plus du matin. Ceux qui sont plus du soir, ils ont une période mesurée comme ça sur leurs cellules de peau. Ils ont une période qui est plutôt élevée. On les appelle des hiboux parce qu'ils sont plus du soir. Et les alouettes, ceux qui sont plus du matin, ils ont au contraire une période qui a tendance à être plus courte.
Donc il semblerait qu'une partie, en tout cas, de la différence entre Alouette et Hibou, c'est que leur horloge tourne plus ou moins vite. Les ados, donc, ils sont un peu extrêmes du point de vue du syndrome de retard de phase du sommeil. On trouve 7% des ados qui en souffrent, mais même un ado, entre guillemets, lambda, il a tendance à se coucher plus tard que lorsqu'il était plus jeune et plus tard que lorsqu'il sera plus âgé, à tel point que certains ont proposé que l'âge auquel on commence à se coucher plus tôt pourrait marquer la vraie fin de l'adolescence, hein. Sérieusement. Donc, c'est un peu absurde dans les écoles que les enfants, à l'âge où ils atteignent l'adolescence, on leur impose des horaires souvent plus matinaux que les plus jeunes enfants. Ça devrait être l'inverse. Enfin, dernier point, si on peut baisser un petit peu la lumière, je ne sais pas si on verra, peut-être ce sera plus spectaculaire, pour montrer que dans la civilisation moderne, la différence entre jour-nuit est devenue difficile à discerner dans certaines régions. On a toutes les zones urbaines qui, depuis l'espace, sont violemment éclairées à toute heure de la nuit. Donc cette carte a été faite, bien sûr, en superposant des images satellites prises à des moments différents pour pouvoir montrer toutes les zones de la Terre la nuit. Donc c'est des images nocturnes qui ont été juxtaposées. Et ce genre de situation pose des tas de problèmes de santé publique et aussi pour les animaux. Ce n'est pas naturel du tout pour les animaux qui vivent dans les zones urbaines, ou les plantes d'ailleurs qui vivent dans les zones urbaines, d'être exposés à la lumière pendant la nuit. Et pour nous, ce n'est pas terrible non plus. D'ailleurs, maintenant, il y a des téléphones portables qui ont des fonctions qui permettent d'atténuer la lumière et de la rendre plus rouge la nuit automatiquement pour être moins perturbant pour nos horloges. Donc, juste quelques conclusions rapidement. Des horloges biologiques, on en trouve donc dans quasiment tous les organismes vivants, y compris des bactéries. Elles ont une de leurs fonctions, on pense importante du point de vue de l'évolution, c'est qu'elles permettent d'anticiper le début et la fin de la journée. S'orienter sur le soleil pour les oiseaux ou les papillons migrateurs. Et aussi suivre l'évolution des saisons. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais un autre rythme cosmique important dont j'ai parlé au début, c'est que les jours raccourcissent et se rallongent, et que ça change beaucoup de choses pour la subsistance des organismes vivants. Et donc les saisons de reproduction ne sont pas ce qu'elles sont pour rien. Et donc il s'agit que l'organisme puisse effectivement décider de se reproduire, par exemple, au meilleur moment. Et ça, il le fait en utilisant son horloge, qui va lui permettre de mesurer la durée du jour. Ça, c'est aussi beaucoup développé dans l'exposition les horloges du vivant. Il y a des mécanismes de remise à l'heure, parce que ces horloges n'ont pas une période exactement de 24 heures. Je vous ai dit, en passant très rapidement, que les yeux sont la seule voie de synchronisation par la lumière, au niveau de notre horloge centrale dans le noyau suprachiasmatique. Et donc ça, je vous la scène un petit peu pour terminer, pour vous donner envie aussi d'aller voir l'expo. Cette horloge centrale va communiquer avec les horloges qu'on a partout dans l'organisme, quasiment dans tous nos types de cellules, pour les mettre à l'heure solaire extérieure. Et voilà, je voudrais terminer sur ce dessin de Jean-Yves Duhaut, qui a fait ce livre Mister Cerveau dont a parlé Maëtte tout à l'heure. Et il a fait aussi une série, enfin une 4 pages sur l'horloge circadienne, parue dans un autre album qui s'appelle Le Labo. Donc il a un autre album qui s'appelle Le Labo, où il va dans des tas de labos différents, de physique, de chimie, de géologie, de biologie. Et il fait à chaque fois 4 pages de reportage sur ces laboratoires. Voilà, donc merci pour votre attention. Et merci pour cette conférence. Merci beaucoup. Alors, on va y aller pour les questions, s'il y en a. N'hésitez pas. Alors, sur Internet, c'est toujours un peu déstabilisant parce qu'il y a des gens qui prennent en cours, donc qui posent des questions auxquelles on a eu l'impression déjà de répondre. Mais ici, est-ce que vous avez une question à poser? N'hésitez pas, montrez, levez la main et puis on vous donne le micro. André, bien sûr, est déjà au taquet, comme d'habitude. Donc, on lui donne le micro. Yeah.
André, qui a dû déjà vous interroger en 2008, quand vous êtes venu, parce qu'il est là à chaque conférence scientifique. Oui, c'était moi, parce que je suis aussi André. Donc mais c'est vrai, non, c'est un autre André. Bonjour André. André, je vous en prie. Oui, je me posais la question tout simplement, comment nos horloges internes de chaque cellule, de chaque organe, de chaque système de... mettons digestif, urinaire, etc., se synchronisent entre elles pour suivre ce rythme de 24 heures, justement. Alors ça, c'est vraiment un sujet de recherche très, très, très actuel. Pour qu'il ne soit pas en décalage par rapport... Tout à fait. Et il y a une série de mécanismes. Certains sont nerveux. D'autres sont donc contrôlés directement par le cerveau à partir du noyau suprachiasmatique, donc qui envoie des signaux à des organes pour les synchroniser. Il y a des mécanismes hormonaux, donc qui sont en gros les deux grandes voies de signalisation dans l'organisme, c'est les signaux nerveux et les signaux hormonaux. Et bien, les deux sont utilisés, donc ça dépend d'un organe à l'autre, ça va être l'un ou l'autre, ou les deux. Et puis il y a encore une autre voie qui a été découverte plus récemment, c'est la température, parce qu'on a des rythmes de température. Je vous ai montré, donc, on a une température plus élevée en fin de journée qu'en milieu de nuit. L'amplitude est de l'ordre de 1 degré. Et en fait, 1 degré de température, d'écart de température, en soi, ça suffit pour contribuer à synchroniser certaines horloges, en tout cas, dans notre organisme. Donc, le fait que la température soit contrôlée par l'horloge, en cascade, si vous voulez, ce rythme de température contrôlé par l'horloge va lui-même contribuer à synchroniser des horloges à travers l'organisme. Donc c'est très complexe. Il y a au moins trois voies, peut-être même quatre, parce que l'alimentation, les signaux issus de l'alimentation peuvent aussi contribuer à la synchronisation. Donc c'est un orchestre avec plein d'interactions entre les instruments. Une question très pratique que je prends sur Internet. Utiliser l'allumage automatique de sa lampe de chevet pour se réveiller le matin, c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Disons que c'est plus naturel que d'avoir une sonnerie stridente. Hein. Oui. Maintenant, moi, j'avoue que ça ne marche pas parce que quand la lumière s'allume sur mon réveil, ça ne suffit pas à me réveiller. Ou alors, je suis déjà réveillé. Donc, voilà, ça dépend des gens. Si ça marche pour vous, tant mieux. Est-ce par habitude de vie... Il y a une question dans la salle ? Vous me faites signe. Hein ? Oui, allez-y, je vous en prie. On viendra vers vous après. Je poserai la question tout à l'heure. Bonjour et merci. Moi, j'avais deux petites questions. C'est est-ce que le rythme circadien de chaque personne, individu, il est fixe parce qu'il est propre aux cellules ou est-ce qu'il peut bouger au cours de la vie, par exemple avec l'adolescence ? Et la deuxième, donc j'y suis, c'est est-ce que il y a un bénéfice à respecter son vrai rythme, entre guillemets ? Par exemple, est-ce que les personnes qui ont des rythmes d'origine de 24 heures vivent une meilleure vie parce qu'ils les respectent, alors que ceux qui ont des cycles de 25 heures, par exemple, sont toujours forcés de se raccourcir, quoi, et vivent potentiellement moins bien, du coup ? Alors, c'est une question très, très intéressante. Il n'y a pas de réponse vraiment définitive. Ce qui paraît clair, c'est que, et ça c'est une notion vraiment très importante en biologie en général, contrairement à ce qu'on entend parfois, l'évolution ne produit pas des organismes parfaits. Donc on pourrait se dire, c'est quoi ces horloges qui dérivent qui font 25 heures, qui font un tour en 25 heures ou en 23 heures et demie ou en 22 heures. En fait, la perfection n'a pas de valeur en soi. Il faut qu'elle soit suffisamment bonne. Il y avait un livre à un moment donné je change complètement de sujet, mais je ne sais plus quel était l'auteur, si c'était Françoise Dolto, sur le thème de la mère suffisamment bonne. Donc, la mère parfaite n'existe pas. Mais il faut que la mère soit suffisamment bonne pour que ses enfants se développent harmonieusement et deviennent des adultes équilibrés, etc. Mais il n'y a pas de mère parfaite. Et il n'y a pas d'horloge parfaite non plus dans le monde vivant. Il faut juste qu'elle soit suffisamment bonne pour servir leur fonction,
qui est de réguler la physiologie de l'organisme, de l'organiser dans le temps, d'anticiper le matin, le soir, etc. Donc, a priori, il y a le fait d'avoir une horloge qui tourne exactement 24 heures n'a pas forcément de valeur supplémentaire. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice alors à respecter, comme vous vous demandiez, ah oui, à respecter ce rythme? Oui, ça, enfin, j'imagine que tout le monde a fait l'expérience. Hein, les gens qui sont du matin, bah, si vous leur demandez de travailler le soir, ça ne se passe pas bien. Et inversement, donc, si vous avez envie de vous coucher, si le sommeil vous appelle à 22 heures, bah, il vaut mieux suivre son appel. Et si c'est plus tard, attendre. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait poser une question. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser, donc là, on a parlé du cycle ou des cycles circadiens. Il existe d'autres cycles. On a des cycles de 90 minutes, comme le cycle du sommeil. Chez la femme, il y a le cycle mensuel, enfin menstruel. Mais chez l'homme, est-ce qu'il y a un cycle aussi mensuel ou est-ce qu'il y a des études là-dessus? Et ça peut venir de quoi? Parce qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure si c'était des horloges internes. Mais on dit, enfin, certains pensent que, par exemple, la Lune peut avoir une influence. Je ne sais pas si les études ont avancé dans ce domaine-là. Alors, vous revenez vers votre... Juste un petit... C'est une question qui permet de montrer la notion de cycle dans le vivant. Effectivement, ça s'étend sur des gammes de temps très différentes. Hein. Moi, je vous ai parlé des cycles, en gros, de 24 heures circadiens. Hein, donc, typiquement, le cycle veille-sommeil. Les cycles, je vous ai mentionné très rapidement les cycles de reproduction qui sont saisonniers, donc plutôt avec une périodicité d'un an. On peut penser à l'hibernation aussi. Le cycle menstruel chez la femme, en effet, 28 jours à peu près. Les cycles de sommeil que vous avez mentionnés, donc 90 minutes. Donc le sommeil est découpé en cycles approximativement de 90 minutes. Chez certains, ça peut être 80 minutes, chez d'autres 95, mais une heure et demie. Le rythme cardiaque, bien sûr, à peu près un battement par seconde ou un peu plus. Dans le cerveau, il y a des rythmes d'activité électrique dont la période est à l'extrême opposé, hein, de quelques dizaines de millisecondes ou centaines de millisecondes. Sur ces rythmes, sur ces différents rythmes, aussi bien circadiens que menstruels ou autres, il y a quelques articles suggérant un effet de la Lune, mais ça reste... C'est pas quelque chose qui est complètement établi, sur lequel tout le monde sera d'accord. Il y a des articles suggérant qu'il y a un effet de la Lune sur le sommeil. Donc le sommeil, alors je ne me souviens plus dans quel sens c'est, au moment de la pleine Lune, il a tendance à être un peu moins bon au moment de la nouvelle Lune. Je confirme. Non, c'est le contraire. Oh, je ne sais plus. Enfin, c'est des effets quand même assez limités. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'études sur le sujet. Je reprends la question parce que sinon... Si, il y a des études, mais il y a des études qui vont dans un sens, d'autres qui vont dans l'autre. Donc, c'est pas facile parce que c'est des effets qui, de toute façon, on s'attend pas à ce que ce soit des effets un facteur 2, si vous voulez. Et donc, chaque fois qu'on a des effets un peu faibles, ils sont difficiles à mesurer avec certitude. Il y avait une question justement sur la Lune. Est-ce que la pleine Lune perturbe l'horloge interne du fait de sa luminosité? Voilà, c'est les chercheurs qui militent dans ce sens, entre guillemets, enfin ceux qui ont obtenu des résultats qui vont dans ce sens, effectivement, ils les interprètent en termes de luminosité de la pleine Lune. Donc c'est une lumière blanche, oui, qui peut être assez efficace pour perturber notre horloge interne. Bon, maintenant... dans les villes, on n'est quand même pas exposé terriblement à la lumière de la Lune, on est exposé à la lumière des réverbères. Donc, Allez-y, je vous en prie. Bonsoir. Est-ce que dormir avec les volets ouverts vont permettre justement de recalibrer un petit peu notre horloge? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le conseillez? Non, pour être honnête, non.
J'avoue que j'aime bien qu'il fasse sombre dans ma chambre le matin. Mais en effet, enfin, après, c'est tout un mode de vie. Ça peut pas, on peut pas, je pense qu'on ne peut pas le séparer du fait qu'on regarde la télé, qu'on passe du temps sur nos écrans de portable, d'ordinateur, de télévision, qu'on est dans des salles éclairées. Enfin, l'éclairage artificiel, c'est probablement le perturbateur endocrinien majeur auquel plus personne ne fait attention. Donc on parle d'un perturbateur endocrinien, les plastiques, les phtalates, etc. Oui, mais là, on est en pleine perturbation. Là. Ça fait un siècle et tout le monde trouve ça normal. Mais je pense que ce n'est pas normal. Alors, est-ce qu'on connaît précisément l'influence des technologies LED sur nos cycles et des nouvelles technologies en général? On parle aussi de lumière bleue, bien sûr, de nos appareils. Est-ce qu'elle nous influence? Est-ce que l'intensité et au-delà de l'intensité et de la durée, la température de la lumière a-t-elle vraiment un rôle? Oui, tout à fait. Donc, c'est des études qui ont... Donc, un siècle après le début de l'éclairage électrique, on commence à se poser ces questions, parce qu'il serait temps. Et en effet, il y a des groupes de travail, y compris dans l'industrie, hein, qui essayent d'évaluer l'impact sur la santé des différents types d'éclairage. Il y a des normes maintenant. L'Agence française de sécurité... des produits, je ne sais plus son intitulé, enfin un sigle, a produit des rapports là-dessus. Maintenant, les industriels ne se précipitent pas non plus pour les mettre en application. Et pour répondre plus précisément à la question, oui, on sait, ça c'est très clair, que la lumière, la longueur d'onde qui a le plus d'impact sur nos rythmes, c'est le bleu. Donc, tout éclairage froid, par définition, un éclairage froid est riche en bleu. Un éclairage dit froid, c'est la couleur, c'est la température de couleur. Ça ne veut pas dire que la source est froide. C'est une température de couleur qu'on appelle froide. Tous les éclairages dits froids sont riches en bleu et ils sont plus perturbants que des éclairages dits chauds, qui sont plus riches en jaune ou en rouge, orange. Posez votre question, monsieur. Oui, bonsoir. Autant je comprends l'intérêt d'avoir une notion d'horloge en fait, à haut niveau, donc par exemple pour le cerveau ou autre, autant je me demande à bas niveau, c'est-à-dire par exemple pour les cellules de la peau ou les bactéries, j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt en fait, d'avoir un mécanisme d'horloge ou de synchronisation. Alors c'est vraiment aussi, comme je disais, c'est une science assez récente, hein. Donc ce qu'on observe expérimentalement, c'est que des situations dans lesquelles les rythmes des différents organes, alors la peau, je ne pourrais pas vous dire spécifiquement, mais clairement, les différents organes internes, comme les poumons, le cœur, l'estomac, les intestins, ça a été vraiment regardé. Et dans les situations où ces rythmes se désynchronisent, où c'est la cacophonie, et c'est typiquement ce qui se passe lors d'un décalage horaire, toutes ces horloges ne se recalent pas à la même vitesse. Donc, quand vous subissez un décalage horaire, oui, il faut s'exposer à la lumière le matin, le soir, par les yeux pour se recaler, mais vous ne pourrez pas éviter que certains organes se recalent plus vite que d'autres. Donc, pendant quelques jours, vous serez désynchronisé intérieurement, et ça a des effets sur la santé. Est-ce que, justement, vous parlez de désynchronisation? Il y a une question, est-ce que l'horloge se désynchronise dans nos cellules à cause du vieillissement? Alors, comme beaucoup de fonctions, celle de l'horloge a tendance à perdre de sa robustesse avec l'âge. Donc les personnes âgées, une partie des problèmes qu'elles vivent, par exemple de sommeil, pourraient être dus à ce que leur rythme biologique soit moins robuste. Donc, ils ont leur signal de sommeil et d'éveil sont moins robustes et sont moins rythmiques, ce qui perturbe aussi bien leur journée que leur nuit, d'ailleurs. Donc, oui, il y a des effets du vieillissement sur ces systèmes.
Alors, je ne sais plus, allez-y, je vous en prie, et on vient ici après. J'avais une question, est-ce qu'en fonction des saisons, le cycle du sommeil change ? Par exemple, en hiver, est-ce qu'on a tendance à dormir plus qu'en été, dû à l'exposition plus importante au soleil ? Alors, ce n'est pas un sujet que je connais très bien, mais je pense que la réponse est oui. Hein. Il y a des effets sur plein de systèmes hormonaux, l'humeur, ça c'est bien connu. Et donc, oui, quand les nuits sont plus longues. Alors déjà, un problème, et là, l'éclairage artificiel vient à notre secours, c'est qu'en effet, quand les nuits sont très longues, et a fortiori pour les gens qui vivent au-delà du cercle polaire où il fait nuit tout le temps, c'est des conditions vraiment extrêmes pour l'organisme. Et les rythmes ont tendance à perdre en robustesse aussi. Donc ce qui est pas bon pour ce qui est pas l'optimum de fonctionnement de l'organisme, c'est d'avoir des rythmes bien marqués. Et donc quand la lumière est présente trop peu longtemps dans la journée, ça dégrade, c'est mauvais physiologiquement. Et donc du coup, on peut faire de la luminothérapie l'hiver pour compenser l'absence de lumière naturelle. Oui, allez-y, madame. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'on a repéré des différences d'une modification de l'espérance de vie ou des problèmes de santé particuliers chez des personnes qui travaillent de nuit avec des horaires décalés ou qui font les 3-8 ou des choses comme ça? Oui, alors il y a pas mal de données. Là aussi, c'est un peu controversé, hein, mais il y a un accord, je pense, assez large sur l'idée qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont plus fréquentes chez des personnes qui font les 3-8 ou qui ont des horaires décalés ou qui subissent des décalages horaires à répétition parce qu'elles voyagent, typiquement les personnels navigants des compagnies aériennes. Il y a un certain nombre de grandes études épidémiologiques, mais ça reste des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une corrélation, mais ça ne suffit pas pour affirmer avec certitude que l'un est la cause de l'autre. Mais il y a en effet des problèmes de santé qui sont plus fréquents dans ce type de situation. Il faut parler avec le micro parce que sinon on vous entend pas. Et pour des personnes qui passeraient la plus grande partie de leur vie en travaillant de nuit, par exemple, ils ont un rythme inversé, mais ils ne changent pas de rythme. C'est probablement moins gênant que de changer en permanence, oui, de passer de l'équipe de jour à l'équipe de nuit et de revenir à l'équipe de nuit. Les changements sont sans doute plus perturbants. Bon, encore une fois, il faut que ce soit sur des longues périodes. Ces études portent sur des travailleurs qui ont passé des 10 ou 20 ans dans ce type de profession. On va prendre la question de madame qui est en face de moi. Pendant que vous lui donnez le micro, je pose: une meilleure compréhension et une mise en avant de cette science envers les médecins généralistes pourrait-il éviter des médicamentations superflues? Oui. Peut-être, hein, peut-être. Je ne suis pas médecin, mais je parierais que oui. Ah oui, hein, je pense aussi. Et puis, il y a des questions concernant les animaux. Et par exemple, les chats, à quelle horloge sont-ils fixés? Ils ne me paraissent pas trop regarder sur la montre pour s'activer un peu. Alors, là aussi, je ne suis pas un spécialiste des chats, j'en ai pas eu. Mais d'après ce que j'ai pu lire, effectivement, le chat est une espèce un peu à part. Et d'ailleurs, ça a posé des problèmes pour les gens qui étudient le sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de travaux sur le sommeil qui ont été faits chez le chat, pour des raisons historiques. Je ne connais pas suffisamment l'histoire, mais en tout cas, l'équipe de Michel Jouvet, par exemple, à Lyon, et je pense que d'autres laboratoires aussi, ont beaucoup travaillé sur les chats. Et il se trouve que les chats sont vraiment très spéciaux du point de vue rythme veille-sommeil. Ils ont une structure du sommeil qui est un peu différente. Ils peuvent dormir un peu n'importe quand dans la journée. Et du coup, ce n'est pas forcément le meilleur modèle. Alors, madame, allez-y, posez votre question. Je rebondissais sur la question de la dame là, par rapport aux personnes qui peuvent travailler de nuit. Je me posais la question,
selon notre position sur le globe, est-ce que des personnes qui vivent à l'équateur, donc avec 12 heures de jour, 12 heures de nuit tout au long de l'année, est-ce que ça change quelque chose ? Oui, probablement. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait eu d'études vraiment. Après, il y a aussi une adaptation au fil des générations, mais enfin, ça, sur une durée très très longue. Hein, on parle de. Donc, sur des milliers d'années, il est probable qu'il y a une adaptation qui s'est faite en fonction de la latitude à laquelle on vit. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu d'études vraiment très systématiques pour essayer de comparer. C'est difficile parce qu'il y a tellement de choses qui sont différentes. Que, ouais. Et ça me fait penser à votre première photo là, sur l'alternance du jour et de la nuit, de me dire finalement l'être humain s'est positionné peut-être plus à des zones où c'était bon pour lui. Est-ce que ça peut l'être par rapport à ce rythme circadien ? Je ne sais pas. Question. Ce qui est assez extraordinaire, je trouve, dans l'espèce humaine, c'est le fait qu'elle a colonisé des écosystèmes incroyablement divers. Il n'y a aucune espèce vivante qui est capable à la fois de vivre dans les zones polaires et à l'équateur. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a que l'espèce humaine qui est capable de faire ça. Donc, moi, je trouve ça extraordinaire. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors, je prends encore votre question et puis on s'arrête ensuite. Bonsoir. Alors moi, c'était par rapport à la prise des repas chez l'humain. Est-ce que c'est considéré comme quelque chose de circadien, puisque ça s'arrête la nuit, mais en même temps, on fait plusieurs fois. Et est-ce que c'est social, en fait, de faire 3 voire 4 repas par jour ? Et est-ce que ça a été étudié aussi, par exemple, chez Michel Siffre, je suppose qu'il ne mangeait pas à des rythmes normaux, ou en tout cas social ? J'aimerais pas avoir eu à manger ce que mangeait Michel Siffre. Hein, je veux dire, parce que je sais pas ce qu'on lui a. C'est que des conserves. Ah bon. Oui, alors ce qui a été regardé, effectivement, c'est. Il y a, par exemple, une chose qui est très. Qui fait l'objet d'un consensus, je pense. C'est l'importance d'avoir une pause d'au moins 12 heures à un moment donné dans la journée entre deux repas. Et donc, ça veut dire typiquement entre le dîner et le petit déjeuner. Et le fait de grignoter pendant la nuit, par exemple, ça a des effets. Il y a la prise de poids, bien sûr, mais ça a des effets. Ça perturbe le métabolisme de façon générale, plus largement. Donc, c'est important de respecter, d'avoir une certaine régularité, effectivement. Et aussi de maintenir cet intervalle de jeûne, entre guillemets. Quotidien. Alors voilà, écoutez, si vous voulez en savoir plus, il y a le livre Les horloges du vivant, comment elles rythment nos jours et nos nuits. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et l'expo. Il y a l'expo, merci. Et puis, juste pour finir, et puis on enfonce le clou, la dernière question des aventuriers de la science. Est-ce par habitude de vie ou génétiquement que les gens sont chouettes ou alouettes ? Alors, ce n'est pas chouette d'abord, c'est hibou. Hibou ou alouette ? Chouette et alouette, ça rime, c'est mieux. Y a probablement les deux, mais c'est clair qu'il y a, un effet de sa constitution biologique. Oui. Mais il y a sûrement aussi habitude de vie, non ? Là aussi, c'est quand même assez incroyable. Les navigateurs solitaires, ils arrivent à s'entraîner à dormir toutes les 2 heures. Bon, moi, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Et ils ne le font pas non plus ad vitam aeternam. Non. Mais ils peuvent passer plusieurs mois avec un rythme qui est complètement aberrant. Oui. Mais... Ils peuvent être aussi complètement perturbés. Pour en avoir interviewé un qui a raconté un jour, il naviguait en solitaire, qu'il avait donné la barre à son beau-père, qu'il imaginait à bord. Il s'est planté sur... voilà, donc ça perturbe quand même. Voilà, bon, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Merci surtout à André Klarfeld pour cette conférence. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur
sur Internet. Il y avait à peu près un peu plus de 165 personnes qui nous ont suivis. Et puis, ben, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Je pense que, voilà, c'est l'exposome. On va vous parler des facteurs environnementaux et des maladies chroniques avec Arthur David. Bon, rendez-vous, même lieu, même heure. Et en attendant, merci à toute notre équipe et merci à vous tous. Bonsoir. Merci André Klarsfeld. Merci encore.